1958. On va poursuivre par deux chants français, La jeune fille du métro, qui est une chanson paillarde, mais pas de soucis, il n'y a pas de gros mots, et chantée par Colette Renard, et Le goût des filles des Wiggles. Donc on parle d'amour et on parle de goût des filles. C'était une jeune fille simple et bonne.
les yeux même aux gens très godiches. Chaque pupitre a des textes différents. Essayez de comprendre, vous verrez. Mais les trois premières chansons étaient arrangées par Justine.
Alors, pour commencer notre programme avec moi, donc nous allons chanter quatre petites chansons du Livre Vermeil de Montserrat. Alors là, on passe dans un répertoire médiéval, donc on va vraiment très 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 dans l'ancien. Si vous comprenez bien, on est deux chefs dans la chorale universitaire, un qui s'occupe de tout ce qui est plutôt récent, on va dire, ou exotique, quoi qu'on s'échange des choses de temps en temps, et moi qui m'occupe de ce qui est vraiment vieux. Voilà, vieux. Voilà. Donc là, on ne peut pas faire beaucoup plus vieux à moins d'aller dans l'Antiquité. Donc voilà, Laudemus Virginem du Livre Vermeil de Montserrat, pour commencer. Allons-y.
Capitaine Septigera est un petit canon, comme le premier, mais il a une petite particularité, c'est qu'il est en demi-mesure, alors que le premier était à la mesure. Là, il est en demi-mesure. Vous allez voir, c'est un petit peu plus... Je vais faire quelque chose qui est assez, qui peut paraître un petit peu bizarre. Notre ami Quincy Yopa, ici présent, va jouer, va accompagner. Je vous en prie. Va accompagner cette pièce médiévale au djembé. Alors, faut savoir que c'est pas si atroce que ça de mêler le djembé avec une pièce médiévale dans la mesure où c'était l'époque des croisades et on ramenait beaucoup, beaucoup d'objets. Notamment des derboukas, mais alors là, ça va être un djembé. Alors c'est peut-être une première mondiale, je ne sais pas, mais en tout cas, Stella Spendens au djembé, avec... D'accord, c'est parti. Oh!
Bien, et pour continuer, on va lâcher le Moyen-Âge, parce que bon, ça suffit comme ça. Hein. Voilà. Alors, avant l'entracte, parce qu'on va faire un petit entracte, donc ne partez pas quand on s'en va, hein, surtout, allez vous détendre, mais ne partez pas. D'accord. Donc, avant le petit entracte, on va faire deux petites pièces de la Renaissance. Une qui s'appelle We Be Soldier 3. Alors, vous allez voir, on a du texte en anglais, parce que c'est un madrigal anglais à trois voix, mais on a aussi du texte en français. Évidemment, il faut savoir que pendant à peu près 300 ans, la très grande Angleterre a été dominée par nous, les Français. Donc évidemment, il arrive souvent qu'on ait du texte, notamment dans des textes de la Renaissance, qu'on ait du texte en français. Vous allez voir, le texte en français, c'est « Pardonnez-moi, je vous en prie ». C'est un petit peu martial tout de même. Bien. Donc, pour cela, le chœur va un peu se débrouiller en direction parce que Quincy va jouer du djembé, moi personnellement je vais jouer de la guitare et Justine va jouer de la flûte. Allons-y. Française à quatre voix, tant que vivrai. Donc le texte raconte, tant que vivrai, en âge florissant, je servirai amour le Dieu puissant. C'est une chanson d'amour. Je servirai amour le Dieu puissant.
amour, puisqu'en amour a tant de première partie, maintenant nous allons rentrer là-dedans. Ne vous évadez pas, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Bien.